Quand vous traversez des stress apparents, vous devez faire l'effort de résister et de vous reconcentrer. Il y a toujours une bataille. Nous avons toujours une bataille sur notre âme. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est pour vous. Les discussions en privé avec moi sont payantes. Ceux qui disent qu'ils veulent me parler. Ce soir, je vais donner quelques messages pour vous. Vous savez que nous sommes, on appelle ça une co-création. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi. Voilà. Bonsoir à ceux qui sont tombés par hasard sur ma vidéo. C'est la première fois que vous me regardez. Bonsoir. Je vous salue. Vous êtes dans un moment délicat parce que vous avez l'impression que fils, ne me tutoyez pas, s'il vous plaît. Donc, vous avez l'impression que vous êtes en train de devenir folle. Il y a un moment, vous pensiez avoir trouvé la voie et soudainement, cette voie disparaît. Ce n'est pas du hasard. Vous fonctionnez à contre-courant. Donc, il y a une énergie qui ne veut pas que vous prospériez. À chaque époque, il y a toujours un courant qui emporte la majorité des personnes. Et il y a des personnes qui vont à contre-courant. Pour aller à contre-courant, il faut d'abord se réveiller. Il faut volontairement changer la direction dans laquelle on était en train d'avancer. Le développement spirituel, c'est quelque chose qui est intentionnel. Et à chaque fois, tu dois revenir, checker. Tu te dis, oh, est-ce que ça va dans la bonne direction que je voulais? Un peu comme lorsque vous devez vous laver tous les jours. Donc je parle pour ceux qui ont commencé et qui paraissent perdus, qui sont arrêtés à mi-chemin, qui ressentent le désespoir et la peur. Je sais que le fait pour vous de voir seulement mon visage, ça vous rappelle les décisions que vous avez prises et ça vous encourage. Votre mission est en train de se raffiner. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre à tout moment. Parfois, vous devrez avancer par la foi.
Vous devez croire que l'impossible va se produire, ne sachant pas comment. Mais vous devez vous dire, c'est possible. Ça va se faire. Je ne sais pas comment je vais payer ça. Ça, c'est l'une des plus grandes peurs que vous avez, la peur financière. Ce message est un signe pour toi. Au contraire, tu ne vas pas tomber, mais tu vas même augmenter. Regarde ce qu'on a accompli dans ta vie depuis 6 mois. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui qui paraît naturel pour toi, c'était des choses qui étaient impossibles hier. Et là, tu es en train de le faire. Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de ce que tu as traversé. De nouvelles opportunités vont se présenter pour toi. Tu avais peur que ton empire grandisse. Cet empire va grandir encore plus. Ils sont en train de mettre de la force dans ton cœur. La force donne la place aux possibilités. Le découragement donne la place au blocage. Des choses sont en train d'avancer. Les personnes mauvaises et fausses dans ta vie sont en train d'être exposées. Tu n'es plus manipulable. Vous devez comprendre que les ancêtres sont plus avec vous que vous ne le pensez. Ils veillent sur vous depuis longtemps. Et c'est surtout quand ça n'a pas de sens qu'ils sont là. Vous n'êtes en bataille qu'avec vous-même. Dès que vous croyez, vous pouvez. Votre adversaire n'est pas dehors. Tous ces fardeaux que vous croyez devoir porter, ils ne sont pas nécessaires. Vous les avez portés par choix. Vous ne serez jamais coincé. Vous arriverez toujours à trouver une solution. Vous êtes un peu comme l'acteur principal du film. On ne le tue jamais. Il trouve toujours une solution. Vous êtes invincible. Donc je vais tirer les cartes. On va t'accorder le visa.
que tu cherches depuis, tu vas pouvoir te déplacer. Ton standing de vie va augmenter. Il y a des visions que tu as eues quand tu étais petit. Tu as dû les abandonner à cause des personnes qui t'entouraient. Là, tu vas commencer à y croire à nouveau. Tu ne manqueras plus de confiance en toi. On va te servir sur des plateaux d'argent ou d'or. Juste que tu ne savais pas qui tu étais. Tu n'osais pas demander. Tu n'osais pas. Tu vas apprendre qui tu es. Tu auras beaucoup de traîtres autour de toi, mais nous sommes en train de te donner la force pour ne pas abandonner. La force pour être sage. Il y en a ici, vous serez très connus, mais le monde n'est pas encore là. On vous prépare. Parce que si vous êtes connus très tôt, si on vous voit trop vite, ça va vous faire du mal. Vous allez d'abord aider les gens, si bien que aider deviendra votre seconde nature. Et là, vous allez monter. Vous serez connu sur les réseaux sociaux. Merci Raphaël. Il y en a ici, vous avez des dons de guérison qui sont encore pas inexistants, mais en phase de croissance. On va essayer de vous déstabiliser aussi. Mais étant donné que vous êtes un ange, quelqu'un qui fait beaucoup de bien autour de vous, c'est ça votre colonne vertébrale. They can't put you down. Ils ne peuvent pas te toucher. Bonsoir, Dia. On a essayé de vous mettre les maux de tête, la confusion. Pour certains, c'est une croissance spirituelle. Pour d'autres, ces maux de tête, ce sont des attaques directes sur vous. Si c'est le cas, faites une libation avec un fanta pour apaiser les esprits qui sont en train de venir. Beaucoup de jalousie autour de vous. Votre entourage n'aime pas le fait que vous soyez trop sûr de vous, le fait que vous connaissiez autant de choses. Il y en a parmi vous-même, intuitivement, vous êtes connectés. Vous savez ce que l'esprit veut. Vous êtes des éveilleurs. Vous êtes très souvent les premiers à faire ça dans votre communauté. Ce n'est pas très répandu chez vous. Mais c'est vous qui avez commencé. Vous allez connaître le bonheur, la sérénité, la paix. Beaucoup d'argent arrive. Pour une femme ici, tu vas rencontrer un homme qui va changer ta vie dans le sens positif. Tu vas faire tes papiers, ça va marcher.
Vous ne travaillez pas assez sur vous. Vous n'êtes pas ancré. Les imprévus vous déstabilisent trop facilement. Vous devez arrêter. De nouvelles personnes vont entrer dans votre vie. Ou bien vous allez dire au revoir à d'anciennes personnes qui vous bloquaient. Et là, ça va pouvoir ouvrir vos dons. Il y en a, vous vivez, ou bien vous viviez avec des personnes qui, leur présence dans votre vie, ça vous anesthésiait. Ça tuait votre oreille. Vous ne pouviez pas écouter ce que les ancêtres vous disaient. Là, les choses sont en train de changer. Vous êtes en train de mûrir. Pour certains, vous êtes en train de muer. C'est-à-dire, ton ancienne peau, carrément la peau physique, quitte. Ton ancienne, tu deviens de plus en plus belle. Une autre personne sera appelée à aller faire des soins. Vas-y. Vous êtes en métamorphose. Vous ne pouvez pas précipiter la chose. Même ce qui est le plus imprévu pour vous fait partie du plan. Vous devez connaître les endroits. Quand vous êtes appelé, il y a des endroits clés où vous devez être. Ça vous recharge. Et on n'est pas toujours très spirituel à tout moment, partout. Il y a des moments où, en dépit de tout ce que qui se passe, tu es faible, tu as envie de dormir, tu es fatigué. Après, il y a des moments où tu sens une énergie qui sort de toi, ça te porte. Connaissez vos saisons. Bonsoir Adassa. Ne vous précipitez pas. On est en train de vous charger. Il y en a parmi vous, quand vous allez commencer votre ministère, vous ferez même 5 ans sans travailler encore ou sans jeûner. Tellement vous aurez jeûné, travaillé, allé sur des lieux sacrés, allé sur des lieux, sur des hôtels spirituels pendant un nombre d'années. Tu as fait des libations, tu as fait des prières, tu as fait des jeûnes. Ça t'a chargé. Ne vous comparez pas. Vous êtes en train d'apprendre les saisons pour courir. Et là, vous comprenez que depuis le début, ce n'était pas vous la star du show. Ce n'était pas vous la star du show. Ils agissaient en vous. Tu ne t'es pas réveillée spirituellement parce que tu es trop forte. On t'y a conduit. Il y a des jours où tu essaies de te forcer pour faire certaines choses spirituellement, tu n'arrives pas. Ça fait partie du plan. Apprenez à fonctionner avec les fluctuations de l'esprit. Il y a des jours spirituels. Nouvelle lune, pleine lune, début de mois. En apprenant à fonctionner avec les astres et les saisons. Tu seras comme si tu es transporté par une énergie. Nebi Naï, tu n'as pas de réponse à tes prières, je vais te bloquer chérie. Tu seras la seule personne qui aura le plaisir d'être bloquée par moi aujourd'hui. Ma page n'est pas une page de plainte. Merci. Donc, vous ne devez pas vous précipiter. Il y aura une saison où vous allez faire, une saison où vous allez vous reposer. Une saison où vous allez bavarder. Et une saison où vous n'aurez même pas envie de bavarder. Stina, bonsoir.
Vous êtes connecté à tous les astres. On ne fait rien au hasard. Et si vous êtes une personne qui est guidée, si vous étiez une marionnette, en effet, tu penses, et si tu étais une marionnette, supposons, tu es une marionnette. Oh, j'ai envie de partir là-bas. Ah, je ne sais pas, j'ai senti qu'il fallait que je... Et qu'on te poussait pour tout faire. En fait, tu es contrôlé. Maintenant, il y a aussi le contrôle psychique qui vient des personnes qui pratiquent sur toi. Il y a le contrôle psychique qui vient des malédictions familiales que tu as depuis longtemps. Il y a le contrôle qui vient des personnes, collaborateurs, maris, des personnes qui ne sont pas allées chez un marabout, mais qui veulent te maîtriser, qui veulent te manipuler. Même tes enfants te manipulent. Manipulation émotionnelle. Chantage émotionnel, c'est de la sorcellerie. Ça, c'est une nouvelle découverte que j'ai faite. Le père de tes enfants, de ton enfant, il manipule l'enfant. C'est ça, Adassa. Quand il rencontre l'enfant pour le week-end, il donne beaucoup de bonbons à l'enfant. Il donne de l'argent. Oh, ta mère, elle dérange. Quand l'enfant revient à la maison, l'enfant ne comprend plus ce que tu dis. Je vais aller vivre avec mon père. Cet enfant a été manipulé spirituellement. Corriger un enfant, c'est comme un désenvoûtement. Certains, vos frères ou vos soeurs vous manipulent depuis que vous êtes petit. Il y a ce film-là, Les Vikings de Valhalla. C'est le film le plus tordu et le plus stratégique que j'ai vu. Tu dois t'attendre à tout dans ce film. Tu ne dois faire confiance à personne dans ce film. C'est une série. Les gens là-bas vont prétendre t'aimer, alors qu'en fait, ils te manipulent pour avoir ce qu'ils veulent. En fait, c'est juste ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà. My son used to tell me that's how you're very stubborn and irresponsible after visiting his dad. Voilà. Il part chez son père, il revient, il est têtu pendant un moment. Commencez à être observateur. Parfois, tu emploies des gens. J'ai employé quelqu'un récemment qui a failli contaminer sa collaboratrice. La personne fait quelques jours, je la renvoie. Mais elle avait déjà eu le temps de mettre un esprit dans l'autre qui est resté. Il a fallu que je réprimande énormément, que je corrige. Je rectifie. Quelqu'un peut arriver dans ta vie, dans ton entreprise, il est jaloux de l'obéissance et le respect de tes employés à ton protocole. L'esprit qui en lui commence à faire la tête du test, il soulève calmement une révolte.
Ça, c'est un sorcier. C'est un sorcier en devenir. J'ai eu quelqu'un une fois que cette personne montait les... Je prends des prestataires et je paye cette personne. Cette personne se ligue contre moi avec les prestataires. L'esprit de la personne était très tordu. Les personnes se laissent constamment entrer. Possédé par les esprits. C'est pour ça que quand vous montez, le discernement est important. Quelqu'un peut venir te parler avec la colère pour te manipuler par rapport à quelqu'un qui l'a énervé. Si tu réagis par rapport à ce qu'il te dit, tu vas gâter ton business qui est en cours à cause de la stupidité. Et du mauvais comportement d'une personne. Vous êtes un peu comme le ninja de l'affaire. Vous avez 9 vies. On ne peut pas vous tuer. Vous renaissez toujours. Vous voyez les films en bagarre, ya, 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 ya. Parfois, vous rêvez, vous voyez les bagarres, ya, 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 ya. Cette bataille-là, vous la menez tous les jours, à tout moment. Votre esprit est très grand. Parfois, dans la journée, tu t'assoupis pour 2 minutes, comme ça. Tu n'as pas dû conquérir quelque chose, quelque chose. Et ça, je vous dis, un phénix. Croyez que vous êtes puissant. Vous êtes juste en train de découvrir à quel point, mais vous êtes puissant. Ce n'est pas des trucs pour vous faire vous sentir bien ou quoi. C'est un wishy-washy things, you know. C'est un chemin qu'on choisit. Continuer les cartes. Si vous êtes trompé par orgueil, vous êtes parti, n'ayez pas peur de revenir. Vous avez du sang de Jésus qui coule dans vos veines. Priez beaucoup le chapelet, ça vous active. Vous êtes aussi très protégé. Mais parfois, comme vous ne voyez pas physiquement vos gardes, vous vous dites, ah. Et vous avez toujours ce courage en vous, quand vous n'avez pas peur. Oh, prends un vigile, prends. Mets les doubles tours ici. Pas besoin. Vous pouvez protéger votre maison avec votre esprit. Vous croyez tellement à la puissance de l'esprit parce que vous avez développé votre esprit. Toutes les nuits noires de l'âme que vous avez traversées, les dépressions et tout ça, bataille mentale. Ça vous a permis de renaître. Vous êtes actuellement une nouvelle personne, très forte d'esprit. Et ce n'est pas parce que vos attaques ne sont pas visibles physiquement qu'elles sont inexistantes. Vos batailles sont réelles. Beaucoup d'entre vous, vous recevez des messages dans le rêve. Et c'est des choses que vous voyez quelques jours après ou le jour même qui suit. Purifiez votre maison, s'il vous plaît.
Vous avez une grande mission sur la terre. Je sais que c'est maintenant que vous commencez. Attends, comment est-ce que c'est possible que 200 personnes aient une grande mission? 200 personnes sur 8 milliards, oui. Il est temps de vous concentrer. Votre esprit. Ok, tu as déjà fait son visa, franchement. Beaucoup ici, vous êtes des femmes de l'eau. Vous connaissez votre puissance. Beaucoup ici, là, vous avez la puissance du serpent qui vous est comme un backup. Le serpent, c'est l'un de vos totems. Les membres de votre famille ont vu votre puissance quand vous grandissiez. Ceux à qui je parle, votre corps va vibrer, vous saurez, hein. Vous saurez, j'ai pas besoin de... Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Parle-moi. Si tu m'écoutes, ton corps va te dire que c'est à toi que je parle. Si ce n'est pas toi, tu vas te dire, mais elle est folle cette femme. Vous commandez des anges. Vous commandez l'air. Quand vous êtes devant l'eau, l'eau monte parce que vous commandez l'air. Vous êtes une femme de l'eau, mais vous commandez l'air. N'oublie pas ça. Tu as des pouvoirs dans les mains. T'as aussi des anges qui t'obéissent. Mais avant, tes paroles étaient très mauvaises, mal alignées. Tu te dénigrais tout le temps. Ah, tu sais, je ne suis pas belle. Oh, je ne suis pas riche. Oh, je ne suis pas forte. Oh, je ne suis pas... Là, tu es en train d'annuler cela. Qu'il en soit ainsi. Vous êtes longtemps sous-estimé. Dans votre vraie nature, vous êtes appelé à travailler avec les femmes des ministres. Et ça vient. Vos dons spirituels aussi sont en train de s'aiguiser. Parce que votre famille avait vu qui vous êtes. Il y en a ici là que tu vas... Je crois que tu as déjà vu comment te bloquer dans le rêve. Là, il faut que tu demandes. Demande à ta mère. Elle va te dire comment tu es né. Certains d'entre vous, on est parti vous demander à l'eau avant de vous concevoir. Ta mère a dit, ouais, j'avais fait une offrande à l'eau. J'étais allée devant l'eau. Après, je suis tombée enceinte de toi. Ouais. La parole, c'est les incantations. Tout se passe dans la parole. Certains, vous êtes en train d'être activés quand je parle. Riando subri, kasubri, chandaliyama suza, lerumbri, kakundaria santa, kubrusha kabristo, umbro subri, andarika santa. Umbricondre koskini atase la kanda ikaskaraj. Vous ressentez ça dans vos bras. Kakarisa umbro kosubri standarikasta. Umbrosti banana ibiana makusanda ikete bosta. Tout le monde a des démons, chérie. Tout le monde. Vous ne savez pas contrôler les vôtres. On vous a dit que ces esprits qui vous habitent sont mauvais. C'est pour ça que vous les combattez. Certains d'entre vous, vous êtes nés à cause d'eux. Certains, ce sont vos anges gardiens que vous rejetez dans vos prières. Vous devez les honorer, leur parler bien. Beaucoup d'entre vous,
La nuit, souvent, tu pars dans le corps d'une autre personne, tu l'aides, tu la chemines dans sa transition. Donc, parfois, vous apparaissez dans des pièces, vous voyez des gens mourir. Parfois, c'est vous qui êtes dans le corps de la personne et elle meurt. Vous l'aidez à transitionner. Je ne sais pas pourquoi on vous montre ça maintenant. Vous les aidez à transitionner. Mais direct, ce n'est pas pour tout le monde. Ne venez pas ici faire l'idiot en essayant de m'insulter. Si vous m'écoutez 30 secondes, ça veut dire que mes esprits sont chez vous. Donc, faites attention. Quand votre bouche ou votre doigt va vouloir écrire un truc négatif, tant mieux pour vous. On vous attend. Bon, je continue. Certains ici, vous êtes en train de maîtriser de plus en plus l'art du déplacement. Personne ne t'enseigne, on n'initie pas quelqu'un à ça. C'est pour ça que je vous ai dit que les gens qui veulent toujours, viens, je vais te montrer. Même dans mes formations spirituelles, je ne suis pas là pour vous montrer. Je vous montre comment vous utilisez. Je vous inspire à utiliser ce que vous avez. Je ne vous force même pas. Tu peux venir dans ma formation maintenant, c'est dans 3 ans que tu les. Tant que tu n'es pas prêt. Certains d'entre vous, vous entrez. Ça se passe, ça arrive à se passer parce que tu as fait un travail il y a déjà 3 mois, 2 mois. Tu as coupé certaines chaînes familiales. Ce qui fait que tu peux maintenant facilement passer le plafond familial pour voyager. Tes voyages astro se font plus et plus. Oui. Il y en a qui sont des passeurs d'âme. Ils se connaissent. Quand je parle, je ne fais que piocher dans les énergies et les personnes se reconnaissent. Beaucoup de personnes qui me suivent connaissent déjà beaucoup de trucs, ils connaissent qui ils sont. Certains sont en train de se découvrir ou de s'accepter. Certains acceptent qui ils sont. Parce qu'à l'église, on s'est toujours dit que c'est mauvais. Après avoir essayé d'enlever votre serpent tellement de fois, tu as chassé ton serpent jusqu'à. Et aussi là, il te regarde. Ce n'est pas pour tout le monde ce que je dis. Donc, vous avez enlevé des plafonds familiaux. Il y a plusieurs types de serpents. Il y a ce qui dérange, il y a ce qui ne dérange pas. Maintenant, vous, ceux qui viennent des familles négatives, vous vous reconnaîtrez. Vous vous reconnaîtrez. Les gens avaient beaucoup de haine dans leur cœur, qui se plaignent toujours des autres, avec la rancune, l'amertume. Je ne sais pas si c'est toi qui as transformé le serpent ou c'est lui qui t'a transformé. Tout ce que c'est que tu n'es pas censé suivre mon direct. Barka, arrête s'il te plaît. Et toi alors quoi? Je vais te bloquer. Stina, si tu veux te plaindre que oh, les gens avancent et tu n'avances pas, je vais te bloquer. Mon direct, ce n'est pas pour les nini, les pleurnichards et les pleurnichardes. Que oh, et puis quoi? Tu as regardé le film, tu as vu John Wick. Au lieu de tuer les démons, il s'élève, il commence à pleurer. Racontez-moi vos rêves, je vous bloque. Je ne veux pas savoir vos rêves. I don't want to know. Voilà. Continuez, je vais vous bloquer. Je crois qu'il y a beaucoup de nouveaux ce soir, c'est pour ça. Tu es bloqué, la tête te bloque. On a tué ton serpent, tu es bloqué, la tête te bloque aussi. Tu viens te plaindre, je te bloque. Tu me demandes de regarder, je te bloque. Tandis, il te bloque aussi. Voilà. Je ne lis pas les gens. Ceux que je lis, ils ont payé, ils ont sur une liste d'attente. Il y a les soirs où je me pointe,
On me demande de parler juste au collectif. Si ce qui est dit vous plaît, vous faites l'offrande aussi, c'est quoi, vous envoyez les stickers. Si vous ne voulez pas envoyer, il n'y a pas de souci. No problème. Je continue. Beaucoup d'entre vous, vous avez fait un travail qui a enlevé beaucoup de blocages qu'il y avait dans votre famille. Et vous venez d'une famille de personnes qui n'ont pas été gentilles dans le sens où ils n'ont pas assuré la pérennité des bénédictions familiales. Ils ont été égoïstes. Fais un vœu pour toi, je te bloque. Ils n'ont pas assuré la pérennité. Ne me dites pas de ne pas me fâcher, ne me dites pas ne me dites de rien faire, ne me dites rien, c'est que je vous bloque. Ok? Ne me dites pas de me concentrer, je fais ce que je veux. Et ce qu'on a gâté, vous êtes comme le réparateur des brèches. Donc, c'est les trous qu'on a mis. Voyez un mur, là c'est le mur familial. On a mis des trous. Et vous venez, je sais qu'au départ vous pensez que c'était, vous êtes petit. Mais là vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de prendre du volume. Et on vous montre quelqu'un qui est en train de devenir de plus en plus puissant dans le spirituel. Avant, tu touchais 20 personnes. Maintenant, tu en es à 2000. Après, tu en seras à 50 000. Ne sautez pas les étapes. Certaines ici, vous êtes des reines très puissantes, des reines de l'eau. Vous étiez dans la pauvreté parce que vous aviez pris votre puissance, vous l'avez donnée à quelqu'un. Généralement, ce sont vos maris parce qu'on vous a dit que vous deviez être marié pour être accepté. Celles qui sont peut-être grosses ou trop courtes, pas assez belles pour avoir des gars, remerciez donc l'univers pour vous avoir évité de tomber dans trop de gourmands. Vous allez apprendre à maîtriser votre chi, l'énergie qui est dans la poitrine. Vous allez beaucoup visualiser, faire des projections astrales. J'essaie de donner des noms pour les choses, mais beaucoup d'entre vous, vous faites déjà beaucoup sans savoir même que vous êtes spirituel. Donc, arrêtez de vous en vouloir. Vous êtes incomprise. Je vois une femme qui se lève le matin et dit à son gars, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et il la regarde comme ça, genre, je comprends pas de quoi tu parles. Ok. Les anges sont vraiment là pour vous assister. Beaucoup d'entre vous, vous aurez du courage qui va venir. Le courage de te lancer pour acheter ton premier terrain. Beaucoup de caps seront passés en juillet. Beaucoup de caps. I go back to black. Vous avez des voix que vous devez laisser sortir. Vous devez exprimer votre voix. Pour certains d'entre vous, le jazz, la musique. Tu mets la musique, tu danses. Tu danses. Et c'est là que tes esprits rentrent en action. Ils sont contents. Je vois quelqu'un, ton serpent aime beaucoup danser. Je ne sais pas à qui je parle. Il aime danser. Et c'est là quand tu danses que tu as tes inspirations de business.
Et les gens ne comprennent pas ça. Tu as toujours un baffle avec toi. Et c'est quand tu es connecté que tu peux bien enchanter ou envoûter ou bien, je sais pas. C'est là que ta puissance opère. C'est là, oh, waouh. C'est là que tu attires en fait. C'est là qu'il y a ta puissance pour attirer. Pour attirer tes finances. Quand je te parle comme ça, tu dis, hey, comment la femme, si elle me connaît comme ça? Ils te voient et ils aiment ça. Il faut que tu comprennes que ça fait partie de ce qui te connecte. Depuis 6 mois que Koulou me suit, elle comprend mieux, elle se comprend mieux. Elle s'accepte telle qu'elle est et qui elle est aujourd'hui. Si son serpent était, elle le montrerait avec fierté. Oh là là. Tu deviens de plus en plus puissante. Le chant, quand je glorifie Dieu dans le chant, j'ai une voix particulière. Redéfinissez qui est Dieu. Quand tu te connectes à celui qui t'a créé, avant de dormir, demande à Jésus de te révéler. On a séparé Jésus de la spiritualité. Demandez-lui encore. Demandez. Il y en a, vous aimez Jésus, mais vous n'aimez pas l'Église. Et vous venez de découvrir la spiritualité. Vous n'arrivez pas à connecter. Allez avec le feeling. N'allez plus qu'on vous exorcise trop. On a trop prié sur toi, ma chérie. On a arrêté comme il est. Oh, yeah. Toi aussi. Chaque jour, tu es au sol, paf, tu tombes à l'église. Et même là, il est fatigué de parler. Tu es comme un lion dans le spirituel. You're like a lion, like a roaring lion. Le spirituel n'est pas comme le physique. Hein. Genre, je suis grosse, costaude, ça veut dire que je domine. J'ai l'argent, ça veut dire que je domine. Now. Quand tu es dans la phase là, ton corps fait un jazz, like you know, you get, c'est comme si tu es en transe. Et ça passe par n'importe quoi, ça peut tout te connecter. Je vois quelqu'un ici, on me dit que depuis que tu as découvert ça, même l'amour n'a plus de. L'amour n'est pas en priorité pour toi. Tu ne cherches pas le plaisir dans les relations sexuelles. Je suis désolée, je dis ce qu'on me montre, ok? Beaucoup, vous avez comme beaucoup combattu. Beaucoup.
N'ayez pas peur. J'ai envie de chanter, purée. En passant, Amy Winehouse, elle n'est pas morte, cette fille. Dans le monde spirituel, elle est très grande. Amy Winehouse. She's big. Like. C'est ça, Christy. Qui parmi vous m'a fait l'offrande? C'est toi, Dorcas. Je te connais. Je savais. Je te connais déjà. Si c'est l'offrande, je bénis. Si c'est autre chose, je bénis. Peu importe ce que c'est. Que ce que tu as reçu soit scellé. Quand vous connaissez ce que vous recevez, quand vous connaissez ce que vous recevez, on n'a pas besoin de vous. Tu sais, tu connais que je viens d'entrer dans un nouveau truc, like, I just got a new car, like, je viens d'avoir une nouvelle voiture, je viens d'avoir un nouveau terrain. Tu n'as pas besoin qu'on te dise, ok, comme tu as donné le père, alors, non. Ah, le spirituel est tellement bon. Ça a le goût. Je vais chanter un petit truc. I keep on falling in and out of love. Je sais que vous demandez, mais pourquoi c'est pas la louange qu'elle chante? Sometimes I love you. Sometimes you make me blue. Yeah, yeah. Sometimes I feel good. At times I feel used, yeah. Loving you, darling, makes me so confused. Keep on falling in and out of love with you. Dans une autre dimension, tu es une chanteuse. Et souvent, quand tu te réveilles, après avoir fait beaucoup d'exploits dans ton rêve, tu te sens mal parce que tu te dis, si je pouvais avoir ça dans ce monde-ci. Et on me dit, tu te dis que tes dimensions, parfois, ne se toucheront pas. Parfois, Genesis, viens, ne te plains pas dans mon direct, sors vite. Parfois, tes dimensions ne se toucheront pas. Donc, vis pleinement ce que tu vis ici, là-bas, 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 là-bas. Vous avez dit tout à l'heure que l'autre là, elle n'est pas morte. Ceux que vous croyez qu'ils sont morts là, c'est juste qu'ils sont dans une autre dimension. It's been a while, I'm not who I was before. You look surprised. Your words don't burn me anymore. Meaning to tell you, but I guess it's clear to see why you're mad. It's just a brand new kind of me. Careful with your ego, you're the one I wish you blame. I gotta have my heart back. Gotta something had to change. I told her you'd be happy about a brown thing I need. Why you mad? It's just a brand new academy.
It took a long, long time to get here. Took a brave, brave girl to fight, to try. Took a one too many excuses, one too many lies. Don't be surprised. Don't be surprised if I walk a little taller. Il y a une personne, il y a des gens ici. Avec le temps, vous vous métamorphosez. Je vois quelqu'un qui se transforme avec le temps. Tu ne te rends pas compte. Tu deviens plus belle. Tu deviens plus autoritaire. Ok. Est-ce qu'on peut devenir plus courte avec le temps? Je ne sais pas. Mais je vois plus belle, plus autoritaire. Et tu commandes plus. Like. Prends ta photo il y a de cela 5 ans. Prends ta photo maintenant. Ce n'est plus le même corps. J'ai l'impression. You've changed. Et tu n'as même pas encore commencé à faire la chirurgie esthétique. Et tu deviens coûté. Vous maîtrisez les éléments. Il y en a parmi vous, vous êtes des maîtres spirituels. Vous maîtrisez les éléments. Vous pouvez vous fondre dans n'importe quelle situation. Tu deviens pauvre pour 6 mois. Après, tu deviens super riche. Après, tu like, come on, girl. Who are you? Tu as plusieurs vies en un an. Un gars te plaît, vous aménagez ensemble. Pouf! Tu passes 4 mois dans la maison, une nouvelle vie, ta ta ta. Ça se gâte, tac, tu déménages. Tu, ta ta ta, tu retournes une nouvelle vie. Like, who are you? Ah ben ça, c'est un de tes pouvoirs. Je déteste le mot Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, ça veut dire quoi? Like, what does it mean? Dieu fait grâce, dites-moi, ça veut dire quoi? C'est une expression de pauvre pour justifier la pauvreté ou bien c'est Dieu fait grâce, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, passons. Comment tu... Bonjour tata, bonjour, comment tu vas? Ah, Dieu fait grâce, ça veut dire quoi? Ok, je laisse. Si tu veux décortiquer Dieu fait grâce, je ne sais pas à quoi ça sert ce mot. Tu as volontairement voulu naître pauvre. Tu es arrivé dans un pays. Je te vois au sommet. Je te vois sur la terrasse d'un hôtel. Et c'est comme si tu venais accompagner ou bien tu venais voir un dragueur là-bas à l'hôtel. Et tu avais prévu ce moment-là pour être en contact avec autant d'argent. Et je te vois sur la terrasse de cet hôtel. C'est comme si tu respires l'air de cet hôtel luxueux et l'argent entre dans ton corps. Tu es en train de te métamorphoser sur la terrasse d'un hôtel, carrément. Tu es en train de faire... C'est comme si tu te réveilles. C'est comme si tu as une incarnation à ce moment. Je ne sais pas vraiment, like... Les incarnations se passent. Pardon. Un témoignage d'exemple. Bonsoir Lucien de la Guadeloupe. Vous avez trop de pouvoir en vous. Vous avez trop de pouvoir en vous. Vous pouvez changer de peau, vous pouvez changer. Oh my goodness. Est-ce qu'on sait même qui vous êtes? Marie de nuit te fatigue.
Il ne fait pas bien l'amour. Tu ne lui fais pas bien l'amour. Ou ton mari de nuit est trop actif. Il fait 5 fois par nuit. Venez tout vous plaindre dans mon direct. On a le même bracelet à mon reine Ivana. Lequel? Ça. Lequel? Which one? Salut la reine du Bénin. Ben, si on se moque de toi, tu avances seulement. La moquerie commence même généralement dans la famille. Christelle, Dieu permet qu'elle soit en vie. Pour moi, c'est trop. Like, pour moi, quand on demande comment je vais super bien. Dieu a permis que je sois super en forme. Like, je ne survis pas, je vis. I thrive. Tu as envie de quitter cette vie. Qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche? Malgré les difficultés, on garde toujours la patience. Ça, ce sont les expressions des pauvres. Dieu fait grâce. Hein, ça, d'accord. Myriam, is your brother going to pay me? Because those brothers, they don't want to pay you. Do you know that? I met a girl, I met a guy the other day. He's like, oh my gosh, I follow you, my sister, she's after you, da da da. And I told him, like, you know what? Come later, come to my house, I'll work on you. So the guy goes, and then he doesn't come back. He's like, oh, I wasn't expecting to pay that much. So I don't want brothers that won't pay me. Okay? I live in Abidjan. Je vis à Abidjan. Mais je peux travailler sur lui à distance. Ok? Bon, vos questions ont dérangé mon direct. Laissez-moi. Et bois mon thé et pas dormir. Ah, tu viendras faire tes achats. Moi, je suis ivoirienne. Peut-être que je vais m'appeler Kwame. Ou Kwaku, ou Konan. Je cherche encore un des noms là. You were born to make it big in life. Of course, my dear brother, I like that. Satan le kamit. Pourquoi tu me suis, monsieur? Pourquoi? Ton nom ne me plaît pas. Ton nom ne me plaît pas. Ah, vous voulez que je m'appelle Conan? Satan le Kamit, ton nom ne me plaît pas. Tu as compris? Ton nom ne me plaît pas. Alors, like your name. Non, je te bloque. J'aime pas ton nom. Nadu de vigilance, nadu de vigilance, nadu de vigilance. Yum yum, hit it up. Si j'avais des enfants, je crois que je mettrais ça toute la journée. Excusez-moi.
Bon, ma flo dit que je dois prendre Quaro. Tu t'appelles Quaro, tu veux qu'il m'appelle aussi Quaro comment? Yum yum, hit it up, yum yum, hit it up, yum yum, hit it up, hit it up, hit it up. Not with the evidence, not with the evidence. J'ai passé toute ma journée à écouter cette chanson. I like it so much. Yum yum, hit it up, yum yum. On verra. Conan, Conan, c'est facile, c'est plus facile, je pense. Ozoa signifie celui qui transcende. Ozoa. Bon, je dois aller dormir. J'ai un pays égayer votre soirée. N'est-ce pas? Everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. Josiane, tu as reçu ton kit fondation. Non, ton kit désenvoûtement. Le kit désenvoûtement fait quoi? Dites-moi. On va faire le quiz. Je vais lire deux cartes par personne qui va bien parler. On fait ça 5 minutes et puis on part. Les sirènes d'Abidjan, on doit faire un convoi pour dire merci. Oh non, c'est pas encore le moment. Ma mission est, je ne suis que pour les élus et ils sont très peu. C'est pour ça que vous voyez, je ne fais pas les, je ne fais pas les. Ma mission est tellement délicate, chérie. C'est pour ça que vous voyez, je ne fais pas des trucs beaucoup là. Je reçois généralement les fils et les filles des rois de l'air, rois de la forêt, reines de l'eau, donc des personnes spécifiques. Je ne suis pas pour tout le monde. Et l'énergie ou bien encore la façon dont je te plais. Si je ne plais pas à quelqu'un comme ça, je ne veux pas. Like, if somebody doesn't like me, si quelqu'un ne m'aime pas comme tu m'aimes, Dorcas, je ne veux pas. Tu me comprends un peu, donc? Le quiz arrive. Si tu n'es pas fan de moi et que moi je suis pas fan de toi, moi j'ai des relations amoureuses avec mes fans en fait. On peut appeler ça fan. Mes frères, mes soeurs, on a des relations amoureuses, like. On est tout. On est fan l'un de l'autre. Si tu n'es pas fan, je veux pas. Hein? Voilà. Si tu n'es pas belle, je ne veux pas. Je suis passée au truc là d'Abidjan, attends. Abidjan Mall. Je suis allée acheter une table, la table de massage. Donc, en sortant, je vois une belle sirène. Elle ne sait pas encore quelle est sirène, bien sûr. Toute belle comme ça là, avec des cheveux blonds frisés comme ça. Une perruque, bien sûr. Et dès qu'elle me voit, elle vient vers moi, toute souriante. Je vois ce TikTok. Je vous suis de temps en temps, vous savez. Et ça m'a ri. Le temps viendra. Si vous n'aimez pas Yom Yom, yom. Non. Si vous n'aimez pas le veggie dance, non. Bon, on fait le quiz maintenant. OK? Bon. Ça te restaure quel désenvoûtement. Comme tu viens d'acheter, tu vas voir ce que ça fait, tu vas nous dire. OK? Merci beaucoup, Reine Ivana. On parle du kit désenvoûtement. Ok. Ça désenvoûte, bien sûr. Ça, c'est trop évident. Ça libère les gens sur l'emprise de la mauvaise. Non, tu es en train de deviner seulement, ma coco. Tu devines seulement. Ça nettoie le corps des entités négatives. Ça purifie. Ça travaille sur quelle partie du corps spécifiquement?
Je vais lire Josiane, comme elle vient de prendre le kit. Ok. Ma coco, tu as bien parlé. Le ventre. Ma coco, regarde ça, c'est bon. Le ventre. L'intérieur, c'est trop vague. Vanessa, tu as échoué. Bon, je fais Adassa, je fais Makoko et je fais Josiane. On commence par Josiane. Josiane, tu as pris beaucoup de retard dans ce que tu as à faire. Et certains membres de ta famille savent que, ils savent que c'est toi qui es censé faire certaines choses pour délivrer la famille. D'où tes blocages venant de ta famille? Adassa, tu es censé être connue. Et riche. Adassa. Adassa, voilà ta carte. Succès. Tu t'es beaucoup sous-estimé. Je ne demande rien par rapport au recruteur. La dernière personne, c'était qui? Il y avait Josiane et Adassa. Ma coco. Oh là, ma coco, tu as des mauvais. Dans ta famille, il y a des personnes qui te veulent du mal. Et tu n'es pas, tu ne travailles pas beaucoup sur toi, ma coco. Tu es un peu superficielle. Tu connais ce qu'il faut faire, mais il y a une grosse paresse. Une grosse paresse. Oui, une grosse paresse. Paresse spirituelle. Je ne sais pas ce que c'était la première carte, mais je sais pas. C'était quoi? Je ne sais pas. Ah oui, famille, membres de famille qui sont un peu des démons là, oui. Ok, on a terminé. Kit Fondation. Amogou, tu me donnes ton nom pourquoi? Hein? Tu sais pas qu'on peut t'envoûter avec ton nom? Arrêtez de donner vos noms aux gens comme ça. Connerie là. Arrête ça. Hmm? Bon. Kit Fondation. Donne-moi tout. Qui a utilisé? Huile de blindage. On commence par huile de blindage. Qu'est-ce que l'huile de blindage fait? Qui a l'huile de blindage chez lui? King. Yo. Protège, oui. Est-ce que l'huile de blindage guérit? L'huile de blindage, on ne boit pas catalane. Donc, quand je dis que ça nettoie le ventre, là. Bon, Christelle Agathe. Je choisis du Christelle Agathe. Christelle Agathe et Sorel. Christelle Agathe, on regarde pour toi. Ça ne soigne pas les maladies générationnelles. Christelle Agathe, tu es censée être connue. Tu es un agent de lumière. Ok? Christelle Agathe. Tu es censée être connue et tu es un agent de lumière. On peut utiliser sur tes enfants, oui. L'autre, c'était qui? C'était qui? La deuxième personne, c'était qui? Oui, ça guérit. C'est ça. Yum, yum, eat it up. Yum, yum, eat it up. L'huile de blindage fait comme ami. Hey. Comme son nom, sécurise la vie des activités. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas utilisé ça. Ça fait marcher comme un dinosaure. Ya, Apuke. Est-ce que tu as acheté? Apuke, tu as acheté un de mes produits. Ya. Les gens qui n'ont pas encore acheté mes produits, quand ils vont vous commenter, je connais. La deuxième personne que je devais lister, c'est qui? Alopécie, c'est qui? Protège contre les mauvais esprits. Princesse. Princesse, oui. Je lis princesse de TikTok là. Tu es un ange terrestre. Et tu as aussi beaucoup d'ennemis. Il y a des personnes qui sont jalouses de toi. C'est vrai que tu les sous-estimes. Tu te dis que tu n'as rien. Personne ne peut te détester. Donc, je t'ai lu deux cartes.
Bon, on va passer sur le donne-moi tout. Le donne-moi tout s'utilise comment? Oui, j'expédie en Guadeloupe. Quincy, la consultation, tu écris en inbox. Il y a le numéro sur la page. Non, King, un King ne demande pas. Tu as compris, King, les lectures sont payantes. Un King ne demande pas. Tu es là, tu vas gâter ton nom. Tu es King déjà. Ne fais pas ça. Oui, ça va, King. Ça va, alors. Il n'y a pas de problème. Catalane, tu connais au moins pour le kilo. Tu connais. Donc, je vais lire la catalane et je vais lire. Bonjour, ange. La catalane est grâce. Grâce, grâce, grâce. Voici ta carte. Grâce d'abord. Grâce. Oh là. Quelqu'un t'a trompé ou il va te tromper. Un mec. Ça va te permettre de voir la vérité sur le gars. Grâce. Deuxième. Tu dois faire des vidéos, un peu plus de vidéos. Tu as un visage qui est photogénique ou bien qui passe. La catalane, prochaine lecture, c'est pour toi maintenant. Ah, donne-moi tout guéri, quoi là. La catalane, c'est ta lecture ici. Tu dois faire tes papiers. Je ne sais pas quel pays. Si tu es dans ton pays de rêve, ça veut dire que tu dois créer un business là-bas. Si tu n'es pas encore là-bas, ça veut dire que tu dois faire ton visa pour partir. Et tu es aussi quelqu'un que tu dois réfléchir seul. Ne partage plus tes projets avec les gens. Mon numéro est sur la page 237 693 50 22 66. Lorsqu'on va à un entretien, conclut un contrat. Christelle. Bon, je te fais une carte, Christelle. Tu es en plein éveil, Christelle Agathe Boussa, à Bahi. Et tu es aussi une femme de l'eau. Je vois un petit, tu hésites un peu entre l'ancienne toi et la nouvelle toi. La nouvelle toi est très spirituelle, mais tu résistes, Christelle. Change ton cercle de fréquentation. Non, on ne bandit pas les cartes chez moi. Mais bah, une carte pour moi, s'il te plaît, là, je ne suis pas sur ça. Yom, yom, build up, yom, yom. Yum yum, eat it up, yum yum. Now do the veggie dance. Now do the, now do the, now do the veggie dance. Yum yum. You must like what you do. Josiane, je te tire une carte, Josiane. Tu as beaucoup de protection. Et tu as aussi beaucoup de richesses qui arrivent. Josiane. Garance. Le kit fondation fait quoi? Allez, dites-moi. Kit fondation, ça s'utilise. Non, le kit fondation traite quoi? Ce qu'on fera souvent dans les directs, quand les gens vont venir poser leurs problèmes ici, là, vous allez lire leurs problèmes et vous allez donner les réponses. Si la réponse que vous donnez est bien, je vous tire une carte. Ce serait cool ça. Ok, quitte fondation, ça brise les liens familiaux, les liens maléfiques, pas bénéfiques, ma chérie. Contre les malédictions générationnelles, oui, tu as bien parlé, tu as très bien répondu. Oui, Wakan Ben O, mets ton prénom, et puis Siché, c'est 77. Mettez vos deux prénoms, je vais vous dire. C'est bon, on arrête, j'ai tiré les deux là. Et après, vous donnez vos problèmes, comme ça, les gens vont dire s'il y a des solutions ici. Nadoude, Nadoude, Isabelle. Et puis, oh, j'ai envie de danser. Et puis, Mouya. Yum yum, eat it up, yum yum, eat it up, yum yum, eat it up, eat it up, eat it up. Now do the veggie dance, now do the veggie. Ok. Vos prénoms c'était quoi encore là? Voilà, je danse à minuit. Il y avait Isabelle, non? Non, ne me donnez pas vos prénoms, je ne vais pas vous les. Tu vas me tromper. Mounia, Mounia, on te fait deux cartes. Je te sous-estime beaucoup, Mounia. Tu es déjà très avancé dans la spiritualité, mais je te sous-estime.
Voilà, il confirme encore. Tu as des pouvoirs carrément, tu as des dons spirituels. Mais tu te sous-estimes. Pourquoi? Ça, c'était bon, Isabelle maintenant. Marilyn, je vais te bloquer. Attends, il finit ça. Isabelle. Oh, t'es un esprit rebelle. Très dur. Tu n'es pas facile à dompter. Et c'est bien. Parce que tu es déjà la personne qui peut porter une révolution pour amener les gens. Maintenant, c'est très seul. It's lonely at the top. C'est-à-dire, les personnes qui vont percer sont appelées parfois à venger très seul. Donc, tu auras beaucoup de nuits noires de l'âme. Il ne faut pas te décourager à cause de tes dépressions. Ok. Je ne tire pas les cartes. Arrêtez de me supplier pour avoir une carte. Je ne vous tirerai pas les cartes, car justement. Non, l'enracinement, ça, c'est pas une raison. C'est pas une réponse. Ça libère les maladies générationnelles. Vous avez dit quoi? Ah, les problèmes d'énurésie nocturne. Ça veut dire quoi, énurésie? Répondez à la personne. Posez vos problèmes ici alors. On va voir les meilleures réponses. Wakana. Merci pour le cœur. Ah, elle fait pipi au lit. T'es sûr que c'est pas une malédiction familiale, ça? Qui a la solution pour elle? Lisez aussi les réponses. Il y en a beaucoup, non? J'ai envie de relire, non? Irène, je te tire une carte. Estina Love. Irène N. Quelqu'un va venir dans ta vie et il va t'aider. Vois comment tu as beaucoup de peine à croire en toi et tout ça. L'autre personne, c'était qui? Il dit Irène et qui? Ouais, Stina, Stina, yeah. Ya, Vanessa, toi quoi? Stina, tu dois faire dans le caritatif, Stina. Tu aimes beaucoup aider les gens, mais tu te prives beaucoup. Tu as un peu honte ou bien tu as peur de ce que les gens vont penser. Tu dois aider les gens. Instabilité dans ta vie. Choisissez une question ici, là. Détruire les hôtels familiaux maléfiques, briser les cycles répétitifs. Oui, le kit fondation brise les cycles répétitifs. Donc, Ange dit qu'elle a des problèmes de porte ouverte. Vous savez quoi? Si elle peut prendre deux personnes, une personne pose son problème, l'autre conseille. Ce serait cool, non? Les personnes qui voient, là, les femmes qui me suivent, qui sont des voyantes, là, montez ici, là, vous posez, vous aidez les gens. Yom, yom. Le kit fondation, c'est 70 000. Au Cameroun. Bientôt, il va augmenter le prix au Cameroun. Tu montes poser. Tu as posé ton problème. Ok, Stina. Monte alors. Qui va répondre à Stina d'abord? Si vous n'êtes pas deux, je ne vous mets pas. Je vois, je peux conseiller, mais j'ai mes conditions. Tu as tes conditions. Non, mamie, pardon, laisse. Tu as compris. Quand je passe mon temps pour parler, je n'est pas, je suis bête. N'est-ce pas, je suis bête. Faire consommer du miel le soir à l'enfant pour éviter qu'il puisse au lit. Tu as suivi, non, mamie? Le sommeil m'appelle, oh, mon lit m'appelle. Mon lit m'appelle. Tu dis que j'ai dit que je ne travaille pas sur toi et toi tu penses que je travaille sur toi. Tu peux penser que je travaille sur toi parce que tu fais le bain de sel seulement. Alors qu'il faut peut-être aller te laver avec les feuilles. Il faut peut-être que tu. Je ne sais pas, il y a d'autres choses à faire. Le kit fondation au Gabon, c'est 110 000. Personne n'a le problème. Ok. Bon, on annule alors. Personne ne monte, personne ne répond.
Dis-moi quelque chose, mendiante. Arrêtez de demander des choses aux gens. Tout va bien se passer. Ok, Sadia. Sadia Sud, c'est quoi ton... Je vais te tirer deux cartes, Sadia. Tu vois, tout, je dis tout, même une situation au pays, mais en rêve. Je ne sais pas. Sadia, tu as beaucoup de dons spirituels. Tu aimes aider les gens et cette capacité va beaucoup t'aider, Sadia. C'est de là que sort ta force aussi. Oh, le sommet, pardon. Vous écrivez beaucoup, beaucoup. Vous allez, qui va lire tout ça, pardon? C'est le travail. Hein? Ma coco, si tu n'as pas suivi qu'elle te parlait, c'est désolé, hein, mamie. Je me suis ici chaque jour, si tu n'as jamais payé une lecture de carte. Ne me dis pas que je suis fatigué. Tes parents qui vont me faire quelque chose. Tes parents ne savent pas le lit pour moi. Que je suis belle, tu imagines mes enfants. Tu parles de ton problème, après tu quittes ton problème, tu passes chez mes enfants. Ya, yeah. Et toi, éparpillé. Tu es éparpillé, ma chérie. La lecture de carte, c'est 22 000. Et tu vas dans une liste d'attente. Tu attends. Parfois 2 semaines pour que je lise. Vraiment, je ne lis pas tous les jours. Cette semaine de bonheur, le bonheur, vous allez être heureuse pour rien. Vous allez sentir beaucoup d'espoir qui va naître. Les pressions financières que vous aviez aussi vont sauter. Les bracelets, il faut écrire, les filles vont vous répondre. Ça commence à 8 000 en montant. Ok? J'ai un personnel qui est là normalement. Mon personnel est là pour répondre aux questions si vous voulez acheter quelque chose. Ok? Et consultation VIP, c'est 80 000. Tu as payé pour la lecture, tu es dans quel pays? Gabon, Côte d'Ivoire, Cameroun. Bon, je donne les numéros alors. 237 693 50 2266. Je vais donner le numéro Move pour le Togolais. Si tu as Move, tu peux transférer dessus. Move, c'est 225 01 50 27 71 71. Donc 225 01 50 27 71 71. Là, c'est Move à partir du Togo. Donc, pour la France, vous faites un Orange Money au Cameroun. Si vous n'avez pas Orange Money, vous laissez. Je ne veux plus d'autres moyens. Les gens m'ont trop tourné comme ça là. Je ne veux plus d'autres moyens. Vous ne pouvez pas faire Orange Money ou tape, tu laisses. Le numéro du Gabon 074 18 00 80. Gabon. 074 18 00 80. Bon, je vais attendre 3 minutes. Si quelqu'un paye maintenant, je le dis maintenant. Il va passer l'étape de la file d'attente. Pourquoi il fait ça? Moi, il va dormir. Bonsoir, Andrew. Tu caches ton nez, pourquoi? Tu as un gros nez. Ton nez, elle est Andrew. MTN dans quel pays? Au Cameroun, MTN, c'est le 678
922 578. Faut qu'elle rentre pour la fête de l'unité nationale au Gabon. Leur fête là-bas est très jolie. Je crois que c'est en août. Fête nationale. Très jolie. Les feux d'artifice, c'est ma partie préférée. J'aime bien partir. La dernière fois, j'avais un appartement qui était au troisième, qui donnait sur la place. Et c'était beautiful là. Il faut que je m'arrange pour là-bas cette année. Ça serait cool. Tu es malade tout le temps, il faut travailler sur toi. Pour le Togo, c'est Move Money. 230, 225, 0, 1, 50, 27, 71, 71. La beauté va seulement vouloir votre. La beauté va vous suivre. Vous êtes très belle. La beauté là va passer une autre dimension. Tu veux les conseils pour que ta nouvelle relation dure. Il faut être sincère. Ça ne va pas, tu laisses le gars partir. Sois sincère, ne lui cache pas les choses. Et il n'est pas ton Dieu. Donc vis ta vie normalement aussi. Passe pas ton temps à dire, oh mon gars, ma vie, mon combat. Cherche l'argent. Ça, c'est le conseil pour que ta relation marche. J'ai un cap. Cherche l'argent. La boutique de la Côte d'Ivoire est ouverte depuis 6 mois. J'ai ouvert Abidjan depuis 6 mois, chérie. Pourquoi je reste seule comme ça? J'aime tellement ma propre compagnie, Nike. It's crazy. Hey, I just met you. This is crazy. Here's my number. Call me maybe. I love it. Bonne nuit. It's hard to look back. Vous m'avez vu à la BNI. Je suis resté moi. J'étais peut-être en train d'attendre le taxi parce que je suis passé. Je crois que j'étais devant la BNI. Oui. Avant-hier. Si ce n'était pas avant-hier, c'est que ce n'était pas moi. J'ai dit que quand vous me voyez me saluer, tu ne m'as pas salué pourquoi? Hein? Tu ne m'as pas salué pourquoi? Dis-moi. Ne me dis pas bonne nuit. Elle me dit que ma vie, elle ne m'a pas salué. Tu ne m'as pas salué pourquoi? Ne me dis plus bonne nuit. Hein? Dis-moi. Réponds. Ah, tu es à la caisse. Non, ça va. Nouveau CHU, c'est là-bas qu'il y a mon comptable. C'est là-bas.
J'étais venu ouvrir le compte de l'entreprise. CHU là-bas, c'est le bureau de mon comptable est juste en face du CHU. Je ne mange pas les gens, hein. Je les fais frire. Je les mange comme des croquettes, des chips. Je ne mange pas les gens, je les grignote. Bon, on a dormi. On met un peu d'huile là. J'ai une huile pour ceux qui... Elle sera prête dans 2 semaines. Tu mets ça sur tes pieds avant de dormir. Elle libère les énergies là. Donc quand c'est ce que tu voulais, ça j'ai dit 2 semaines parce que c'est ce que tu as dit demain, c'est ce que tu vas venir chercher. Tu dois attendre au moins 2 semaines avant d'avoir l'huile là. Ce demande que tu as fait tout à l'heure, la dernière fois, là, il faudra pour que ça passe un peu. Tu veux faire le transfert, mais si tu non, non. Même si ton argent arrive chez moi dans 4 jours, c'est dans 4 jours qu'il va être déchiré. Bon, au revoir les belles filles. Celles qui ne sont pas belles, sentez vous saluer. C'est pas ma faute. Hein. Si votre cœur devient bon, vous allez devenir belle. Devenez gentil, vous allez voir. La boutique est à côté du supermarché Bellecôte. En face du groupe scolaire Les Petites Abeilles. Il y a une école à pas très loin du supermarché Bellecôte. Ok? Merci pour la fleur, Chantal. Tes 20 centimes que tu m'as donné, je t'en remercie. C'est très généreux, merci. Si tu es follow, tu me suis depuis et tu n'es pas belle, tu me dis je te bloque. Signal, je te bloque. Tu as Cocody, non? Tu peux marcher belle côte, c'est à Cocody. Neuvième tranche. C'est pas loin de la Dibi. Tu me suis depuis, tu n'es pas belle. Tu me dis, je te bloque. Je veux pas les lettres fille. Je te bloque. Ça veut dire que tu as un cœur qui est noir. J'ai un membre de ma famille que j'aimais beaucoup. Mais ce membre de la famille n'était pas beau physiquement. Donc je me donnais des excuses dans mon esprit pour dire, bon voilà, à première vue, tu n'es pas beau, mais on peut regarder la 50e fois, tu es beau. Hein? Je marchais avec la personne, je me filmais avec la personne, je visitais la personne. Jusqu'à ce que la personne me sorte son vrai visage. Je vais me rappeler qu'il y a une fille qui me suivait. C'est là, je vais dire, me suivre. J'ai oublié de la bloquer. Je vais te chercher, je vais te bloquer. Et c'est que tu me suis en cachette. Oui. Tu ne vas pas prendre de motivation de mon esprit. Parce que tu sais ce que tu m'as fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes comme ça maintenant. Tu sais ce que tu m'as fait. Je ne te motiverai plus. C'est bon. Oui. Je vais faire le psaume 35 sur toi. Que la ruine t'atteigne à l'improviste. Quand je priais pour toi, quand je jeûnais pour toi, je penchais la tête comme pour une soeur. Godlis, bonsoir. Je m'appelle Lumière. Je ne m'appelle pas Jocelyne, je m'appelle Lumière. Tu veux que lui pardonne? Pourquoi? J'ai essayé. Ça n'a pas été. Va lire le psaume 35. Tu me dis pourquoi David dit que la ruine l'atteigne à l'improviste.
Je sais que David a pardonné, mais ça ne veut pas dire qu'il souhaitait le bien de la personne. C'est biblique. C'est biblique. Le volume est bon. Genèse 12, verset 3 à 5 ou 6. Tous ceux qui me bénissent sont bénis. Tous ceux qui me maudissent sont maudits. Comme tu ne m'aimes pas là, tu vas devenir laide de plus en plus. Ce n'est pas moi qui fais. Tu vas enlaidir. C'est un principe spirituel qui a été déclenché. C'est pas moi. Vous laissez les gens vous menacer. Chaque fois elle apparaissait dans mon direct de cela, elle commentait. Je disais que yeah, moi yongo. De l'enfant si. Après un jour, la personne dit que oh, je veux que tu travailles sur moi. Il dit que gars, tu sais quoi, il te tolérait même seulement dans mon direct. Il ne savait pas encore comment vous devez te placer. À partir de vous, tu es, ne me suis plus. Je vais te bloquer. Tu es en retard, Golden. Je partais même déjà, mamie. En sortant seulement, tu m'as les arachides. Pour ta fille, tu peux payer un lavage à distance. Dis mais non, pas bon. Beaucoup d'entre vous ici, vous êtes très connectés à la reine de l'eau. Tu as écrit sur quel numéro la Niaka? Là, où c'est l'Aniakea, où c'est quoi où. Tu as pris le numéro sur ma page. Ou c'est un des numéros que j'ai dit ici. Si tu es parti chez les arnaqueurs, c'est ton problème. Moi, il n'y a pas un souci avec ça. Tu es très connecté avec la reine de l'eau. Elle te protège depuis que tu es petite. Tu es une de ses sujets. Tu es une de ses filles. Oui. Dans votre accord, quand tu es venu, tu devais d'abord oublier qui tu es. Oui. Le vol à distance, c'est 50 000. Et quand tu es arrivé, depuis que tu t'es découvert, c'était comme un rêve de la nuit. C'est comme si tu t'es réveillé, boum, et puis, oh my God. Hier, je croyais que je suis ordinaire. Et aujourd'hui, je pense que je suis la petite sirène. Vous voyez de quoi je parle? C'est qui la reine de l'eau? Il n'y a que ses enfants qui la connaissent, chérie. Si tu poses cette question, c'est que ce message n'est pas pour toi. Tu as suivi. Même si tu es en Europe, elle t'a déjà localisé. Elle sait où tu es, ce que tu fais. Mais elle a quoi en train de dire avec l'homme avec qui tu sors là? Tu as suivi. Là, c'est elle qui te parle. Encore un peu de temps. Tu sais, on t'a déjà dit vers 4h30 un matin. Pourquoi vous venez donner un message des gens à travers moi? Bon, ça va, je m'excuse. Allons-y. On t'a parlé à 4h30 un matin, donc tu connais. Son adultère ou ses adultères, c'est pas de sa faute. Parce qu'il doit partir.
Tu es en train de rassembler de la force pour te lever, partir, pour arrêter la relation. Oh, le lavage à distance, je le fais une fois toutes les 3 semaines. Donc, une fois par mois, en fait. Wendy Arke, si tu ne la connais pas, tu ne demandes pas. Ce que je vais te bloquer, mon pardon. Cet homme est en train de partir de ta vie. Mais tu ne dois pas t'attacher au bien. Bah, tu regardes trop en te disant, oh, regarde tout ce que j'ai construit. Tu récupéreras et tu reconstruiras. Bon, reconstruiras. Like, oh my goodness. Like, why am I talking like this? Quel est ton problème? Tu as beaucoup de problèmes, hein. Tu te reconstruiras, virgule. Tu vas apprendre encore plus, virgule. Et tu deviendras très riche, point. Tu es dans une phase de reconnexion, de recollection aussi de tes idées. Quel est ton problème? Je te bloque. Attendez, vous bloquez. J'ai 2 personnes que je dois bloquer ici. Voilà. Très souvent, ils viennent la nuit quand tu dors. C'est pour ça que tu te réveilles souvent, tu as l'impression que tu étais quelque part, tu étais dans l'eau, tu étais dans... Tu voyages beaucoup avec eux la nuit. Et quand ils viennent te chercher, ce n'est pas un truc qui est volontaire, like. Même la France, c'est pour ça que souvent tu te vois là. Oh God. Souvent, ils te voient dans les rêves, tu es en bain. Je partais dormir, hein. C'est pas ma faute, je partais dormir. Pour l'instant, on doit arrêter de parler. Il y a des personnes qui sont déjà en retard à la réunion. Mais ce soir-ci, les choses que vous êtes en train de me dire, moi-même, ça me wonder. Vous êtes en retard à la réunion. Merci, Kadine. Je dois vous laisser. On se retrouve tout à l'heure. Vous allez vous connaître. Je n'ai même pas besoin de parler beaucoup. Théo, donc tu es devenu mon docteur. Que va te reposer? Oh oh. Tu es mon docteur maintenant. Comment tu as me fait pour tenir dans le direct, Théo? Ton niveau spirituel n'est pas assez lucide pour comprendre tout ce que j'ai dit. Ton âme est encore à, on va dire, à 20% sur 100% nécessaire. Comment tu as résisté? Tu t'ennuies ou bien? Ou tu as mis la télé, tu es en train d'écouter dans les écouteurs? Ou tu m'as mis sur haut-parleur, tu regardes la télé? Merci Chantal. On parle à Réunion. Le truc, c'est que on est comme dans une foule. Il y a un truc, un sifflement là. Les gens vont savoir. Il n'y a que les concernés. Le reste, ils sont en train de se plaindre. On a chié devant ma maison. On a vomi sur mes chiens. On a fait ceci. Vous ne connaissez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous me mettez sur haut-parleur, vous me déposez là, vous, pendant que vous êtes en train de regarder la télé. Bon, on part à la réunion. Bye. Il faut être là, là, le coup commence dans 30 minutes. Attends, je veux voir si c'est terminé. Il y en a qui vont graduer bientôt. Tu es presque... Bientôt, tu seras prête. Et il y aura des secousses dans ta vie qui vont te faire changer de ville ou bien
Il y aura des événements qui vont te faire pleurer. Je suis désolée, mais tu ne dois pas pleurer longtemps. Ok? Quand ça va arriver et que ça va te frapper, il faut que tu te rappelles de ce que je viens de dire et que tu te demandes qu'est-ce qu'il y a que je dois faire. Ok? Oui, on efface la mémoire, non? C'est quand vous venez dans les directs comme ça que vous vous rappelez de certains détails. Vous dites, mais pourquoi là? Je comprends maintenant. Yom, yom. Il dit yom, yom. C'est ça. Vous voyez que depuis là, je suis parti trois fois, je suis revenu. Non, là, je n'ai plus sommeil. C'est bizarre, n'est-ce pas? Je suis abattu trois fois. Et on a commencé les cours. Donc, certains cours, on est en train de me monter. Ça vient en vision, je vous dis. Après, pas encore, je reviens et je vous dis. Attends, il te bloque. La poupée, quoi, quoi, là, je te bloque. Mais pas ça, vous parlez des trucs comme ça. Ah, localise-moi, je te bloque. Je te localise pour te bloquer, attends. Voilà, je ne veux pas les mandjans ici. Mandjan spirituel, je ne suis pas très très intéressé. Il est quelle heure dans votre pays? Oh là, il est minuit 52 ici. Ok. Vous êtes très attiré par ce qui est royal. Comme, où est le jaune sinon? Ça, c'est un jaune royal. Vous voyez, non. Détruit les assets qui ont ce. Like, you know, gold. You love golden things. Gold. Les huiles, les parfums, les senteurs, la préparation royale, les bonnes personnes, oh my goodness, là je replonge dans les messages, les bonnes personnes viendront à vous, ne vous inquiétez même pas une seconde, don't worry. Tu vois quelqu'un, ce soir, il y a deux, trois personnes que tu vas rencontrer dans cette semaine, qui vont t'aider big time, like, you know. Ils sont en train d'être, ils sont en train de t'être connectés à toi. Wemby Akez, je vais te bloquer. Attends, je t'ai dit que tu étais bloqué, tu vois qu'elle m'a. Attends, elle te bloque. Des trucs que tu demandes, c'est pas, mais ça m'intéresse pas. Que le jaune ou. Mes gens ont compris, mamie, pardon. Ces personnes sont en train d'être connectées à toi dans le sens où. Tu vas tomber sur eux par hasard ou bien je vois une personne ici, quelqu'un que vous avez un ami en commun, mais tu n'as jamais demandé à cette personne, là, genre, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut être secrétaire, est-ce que tu connais quelqu'un qui peut, si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Donc le fait de demander ou bien tu poses même en statut, quelqu'un va savoir, ah donc tu avais besoin de ça, mais je connais. Voilà, je te cherchais, toi que le chien a vomi, ça veut dire que ta maison est sale. Vous verrez les concessions qui sont sales. Le chien fait comment pour arriver chez toi? Je t'ai bloqué. Tu t'avais vos bêtises là. Le chien a vomi. Ça, c'est des trucs dégueulasses. Vous avez des esprits tordus. Hein? Qu'elle vient me raconter l'histoire. Mais il vit plus dans les endroits sales. Le chien fait comment pour arriver chez toi? Hmm? C'est pas un caniche. Le caniche ne vomit pas. Le caniche, il est bien. Il est poche. Il mange des croquettes. Les croquettes, ça se vomit pas. Bon, ça va, je suis une sorte de ça. Je suis sortie. Ok, je disais ceci. Tu vas exprimer, tu vas demander, non. Et quand tu vas demander l'ami commun que vous avez, va dire, ah tiens, il va vous connecter. Et la personne qui va te... à qui on va te connecter, cette personne a beaucoup de ressources. Genre, tu vois quelqu'un qui connaît tout le monde ou bien qui connaît tout faire. Tu vois un peu, non? Voilà. Bon, j'espère qu'ils vont me laisser partir. Est-ce que je peux partir maintenant? Can I check out? Can I check out? Can I go? Can I go? Can I go? Can I go? Can I go now? Can I go? Can I go? Can I go? Tu es couché dans ton lit, ton chocolat dort déjà, ou bien il a voyagé. Tu t'ennuies. Tu vois que s'il part, tu as encore dormi même dans 3 heures de temps. C'est pour ça que tu ne veux pas qu'il parte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous connais.
Il y en a, vous avez développé l'art d'assister aux réunions sans dormir. Tu es là comme ça devant la télé. Mais tu es dans la réunion avec nous. C'est vous là-bas. I live in Abidjan. Parce que si je pars, tu vas encore faire 2 heures, 3 heures avant que le jour ne vienne, c'est beaucoup. Demain c'est lundi, si je veux gronder mes employés à 8 heures. Il faut que, et 8 heures au Cameroun, c'est 7 heures ici. Donc, il faut me mettre il y a 1 heure ici. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 5 heures de sommeil. Bye. Vous voulez me noyer? Laissez-moi pas dormir, pardon. Pour ta canon, il est petit. Non. Pour ta canon. Go, non, quoi dire?